la version d'un observateur après le vote? Non, déjà je suis là comme représentant du SINAFOC. J'ai été envoyé par le président national, Jérémy Ndjitab. J'ai assisté à une très belle séance de travail dans la sérénité, dans la transparence. Je crois que Samuel et son équipe, nous devons la soutenir pour qu'il puisse aller plus loin le mois prochain à Yaoundé. Et ce que je déplore aussi, c'est qu'ils aillent vraiment vers les acteurs. Parce que les acteurs, qui veut dire les joueurs, s'il n'y a pas de joueurs, il n'y a pas de championnat. Il faut que ceux qui sont élus ne soient pas seulement là parce qu'ils veulent avoir des pouces, mais qu'ils aillent vers les acteurs qui sont les joueurs et leur en parler. Je crois que là, nous aurons vraiment un très bon championnat. Le football camerounais ira vers l'avant. La dernière leçon, les délégués et les candidats du Sénat ont réussi à prendre le pas. Oui, oui, nous sommes ça que la Fédération Camerounaise de football en a décidé ainsi. Nous sommes là, mais nous ne prenons pas part au vote. Nous sommes là pour les intérêts des footballeurs. Et nous ne prenons pas au vote tout récemment. Bon, c'est la décision de la Fédération Camerounaise de football. Nous pouvons parler. Vous savez que l'intérêt des footballeurs, c'est l'intérêt du SINAFOC. Et c'est pour ça que nous sommes là. Et pour faire un récapitulatif de tout l'ensemble du processus, on a comme président du conseil Mbekek Robert Lui, premier vice-président Elongo Kingé Samuel, deuxième vice-président Ngassa Badi Pierre, comme membre du conseil d'administration Ebele Lui, ils sont 10, Ebele Lui, Amadou Dabo, Eya François, Boni et Bongé, Ngomé Bonaventure, Vassilios et Semé, Lokban Gobol, Joki Gombe, Ngo Ferdinand, Makongo et Tikibe. Et pour reprendre les délégués, Eto Fils Samuel, Foko Kamga Stéphane, Mongo Nyamsi Daniel, Elongé Kingé Samuel, Mbeke Robert, il ne me reste plus qu'à vous remercier parce que tout s'est passé dans le calme, la paix. Et nous allons, pour honorer notre pays, nous lever, exécuter le refrain de l'hymne national. Nous vous disons à vous tous merci. Merci à monsieur le gouverneur ici représenté, à toutes les autres autorités, à tous les membres qui ont complété la commission électorale sur le plan local. Le processus électoral, vous le savez, se poursuit jusqu'au 11 décembre prochain à Yaoundé. Nous souhaitons que tout se passe dans la transparence, le calme, la sincérité des scrutins. Je vous remercie.